Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents au Conservatoire de Caen par l'intermédiaire de toutes ces caméras qui nous relient directement à vous, derrière votre écran, pour ce débat sur la Commune de Paris hier et aujourd'hui. Merci au Salon des Livres de Caen de nous avoir, époque, d'avoir justement donc imaginé et organisé ce débat qui promet d'être riche avec mes trois intervenants, tant la Commune est un sujet sur lequel chacun se fait sa petite idée et qui a moult et moult développement. Donc merci encore aussi à Époque qui permet donc à la revue Michel, qui est une revue normande sur la culture, qui permet donc à Michel, par mon intermédiaire, en fait, de participer à ce festival et ainsi de permettre à Michel d'être un acteur de la culture normande. Donc nous sommes ici aujourd'hui dans ce conservatoire de Caen et nous sommes le 30 mai 2021. Il y a 2 jours, il y a 150 ans, la Commune prenait fin. Tout commence le 18 mars 1871. L'armée tente d'enlever les canons sur la butte Montmartre, canons de la garde nationale qui avaient été achetés par souscription populaire. La population du quartier, puis les Parisiens qui avaient financé donc ces canons, s'y opposent. Malgré les ordres des officiers, les soldats ne tirent pas sur la foule. Les barricades se dressent dans le Paris haussmannisé, le gouvernement tiers fuit à Versailles et le comité central de la garde nationale s'installe à l'hôtel de ville, tout un symbole. Si la Commune de Paris n'est proclamée que le 28 mars, 2 jours après l'élection de celle-ci, l'élan révolutionnaire n'aura pas attendu le verdict des urnes. Et la province n'est pas en reste. Des communes sont proclamées dans de grandes villes comme Lyon et Marseille, des émeutes éclatent à Rouen, à Toulon. Cependant, ces expériences sont plus éphémères qu'à Paris. La preuve, lorsqu'aujourd'hui on parle de la Commune, seules les barricades parisiennes nous viennent à l'esprit. Les dernières tombent le 28 mai 1871, au terme de ce qu'on appelle la semaine sanglante, quand le rouge du sang versé remplace dans les rues celui des drapeaux. On hésite toujours à nommer les partisans de la Commune. Eux s'appelaient fédérés et se saluaient d'un citoyenne ou citoyen en souvenir de la Révolution. Ils méprisaient ceux aux ordres de Versailles, du terme versaillais, qui dans leur bouche pouvait aussi signaler traître. Ces derniers leur rendaient bien en disant un communard haineux. Le choix des noms comme symbole de la rupture. Après la guerre contre la Prusse dès juillet 1870, la proclamation de la République le 4 septembre, puis la défaite consommée à partir de l'armistice en janvier 1871, la France rentre dès lors en guerre civile. Au-delà de 2 camps qui s'affrontent, ce sont 2 visions de l'humanité et de son organisation sociale, politique et économique qui se télescopent. On a d'un côté la République libérale du 4 septembre, dont l'Assemblée est à majorité conservatrice et monarchiste, face à la République démocratique et sociale, qui tend vers la République universelle de la Commune. L'ordre capito-libéral et son État dit moderne, contre un autre, à construire, nourri des socialismes et du souvenir des révolutions. Ce sont ces idées, les êtres qui vont les incarner, les actions qui vont les mettre en œuvre, dans un camp comme dans l'autre, leur propagation, en France et dans le monde, hier et aujourd'hui, qui vont faire de la Commune un des premiers événements médiatiques global. Ces éléments expliquent son impact sur l'histoire mondiale des 19e et 20e siècles, et en conséquence sa place particulière dans nos conceptions et de la Révolution et de la modernité. Exister dans le bruit du monde, la Commune n'a jamais cessé. Pour défricher ce thème qui est assez foisonnant, nous avons aujourd'hui donc 3 intervenants. D'abord, Carole Trébor, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire des arts, vous avez été professeur, vous êtes documentariste, écrivaine de théâtre et de romans jeunesse, scénariste BD. D'ailleurs, c'est en tant que scénariste BD que vous êtes là aujourd'hui, puisque vous avez co-scénarisé avec Jean-Louis Robert sur des dessins de Nicolas Gobi, la BD donc Rouges Estampes. Dans cette BD, en fait, qui est un thriller historique, on pouvait dire, on suit Raoul, qui est un artiste qui s'engage dans la Commune et qui va devenir commissaire dans le quartier du 14e, dans un quartier du 14e arrondissement. Plaisance. C'est ça. Et il reprend donc une enquête, il arrive comme ça et tout d'un coup on lui donne le dossier d'une enquête sur des meurtres qui sont tout autant mystérieux et surtout atroces. Ensuite, on a Gérald Dittmar. Bonjour Gérald Dittmar. Vous êtes écrivain et éditeur, spécialiste de l'histoire parisienne. Vous êtes très attaché à l'histoire de la Commune et à son actualité aussi, puisque vous êtes ami de la Commune de Paris de 1871. Vous êtes auteur de plusieurs livres. Alors ici, j'en ai pris un parce qu'il m'a particulièrement marqué. C'est l'histoire des femmes dans la Commune de Paris, qui nous montre que le communard, comme on appelle souvent ceux qui ont participé à la Commune, bah, c'est aussi des communards. Vous avez également écrit une biographie de Louise Michel. Vous avez écrit le dernier ouvrage, c'est Figures normandes de la Commune de Paris de 1871, où vous établissez 13 biographies de Normands qui vont être pris dans le vent révolutionnaire qui arrive en 1871.
Et enfin, dernier intervenant, Quentin Deloire-Mauss, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris. Vous avez cofondé la revue Sensibilité, Histoire, Critique et Sens Social en 2016 et coécrit l'ouvrage Pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et futur non advenu en 2019. Je donne ces deux références parce que c'est deux jalons importants qui marquent votre manière d'appréhender le passé et les sources historiques, auxquelles, pour le dernier livre que vous avez sorti, donc qui est Commune 1870-1871, Une traversée des mondes au XIXe siècle, auxquelles vous avez rajouté l'importance des connexions dans l'être et le devenir des situations historiques. Donc vous avez réalisé dans ce livre vraiment une étude globale de la Commune pour montrer la large portée de l'événement au-delà des remparts de la ville, dans les sociétés, donc sociétés d'hier, sociétés d'aujourd'hui, mais également dans tout le monde entier. Donc pour ce sujet, le premier élément que je pensais aborder, c'est le lieu d'abord, le lieu Paris, parce que je pense que sans Paris, la Commune n'aurait pas été ce qu'elle a été. Et quand je suis tombé directement sur ce sujet de débat, j'ai pensé à un livre de Robert Tombes qui est sorti en 2014 chez Libertalia et qui s'appelle Paris, bivouac des révolutions. Enfin, c'est très étonnant puisque en 1871, Paris sort donc du Second Empire, il y a eu l'osmanisation, on sort de la guerre avec la Prusse et d'un siège. On se demande, mais en quoi cette expression, elle est encore justifiée par rapport au Paris de 1871 Quentin Deloire-Mauss, est-ce que vous pourriez nous éclairer? En fait, les deux éléments de réponse vont ensemble. C'est-à-dire, c'est parce que Paris a expérimenté une guerre, puis un siège, puis une transition politique, qu'au fur et à mesure, cette espèce de grande désorganisation, hein, les historiens parlent d'un lent glissement, progressivement, les assises du Second Empire sont un peu disloquées et que la mémoire vive des révolutions a fait son chemin dans la capitale. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de la Commune de Paris, c'est que c'est l'ensemble des révolutions précédentes qui ressurgissent dans l'événement. Donc, on parle à la fois de 1792, de 1793, de 1848. Et comme Paris est chargé de cette mémoire révolutionnaire, mais ça arrive fréquemment dans les révolutions du 19e siècle, les choses qui ont l'air évidentes au moment révolutionnaire reprennent sens et se chargent. C'est pour ça que souvent, on va détruire les noms de rues, on va détruire des statues, on va renommer énormément les quartiers. Par exemple, pendant la Commune de Paris, on débaptise à nouveau les quartiers. On n'est pas commissaire de police du quartier Saint-Méry, mais du commissaire de police du quartier Méry. Donc du coup, la ville, en fait, draine à elle cette mémoire révolutionnaire qui surgit dans l'espèce de dislocation des longs mois qui ont suivi. C'est important parce que ça distingue la Commune de Paris de 1848 et de 1830, qui prenait plus la forme d'une éruption. Là, dans le cas de Paris, il a fallu cette espèce de lente mise à mal des rapports sociaux antérieurs. D'accord, donc Paris, il apparaît un peu comme un chaudron qui n'attend qu'une... Gérald Dittmar, est-ce que c'est vrai, si on prend cette expression, si c'est comme Paris un chaudron et que le siège, la dislocation, oui, fait que tout ressort d'un coup, en fait? Oui, ce qu'il faut, c'est comprendre aussi un petit peu le Paris du 19e siècle. C'est-à-dire que dans la première moitié du 19e siècle, comme l'a très bien montré Louis Chevalier dans son livre sur les classes laborieuses et les classes dangereuses, il parle là des fondements biologiques de l'histoire de Paris. Et donc, il explique le processus de cet accroissement de la population qui va s'opérer donc dans la première moitié du 19e siècle et qui, effectivement, à partir, disons, de l'Empire, à partir de 1850, d'autant plus que les travaux d'Haussmann vont conduire à une sorte de nouvelle géographie de Paris. Hein. Vous allez avoir donc un Paris bourgeois et un Paris prolétaire. D'une part, à cause de ces travaux, la population ouvrière va s'en aller à l'est de Paris et dans le nord de Paris, tandis que les bourgeois vont vraiment s'organiser, si l'on peut dire, dans l'ouest parisien. C'est-à-dire qu'il va y avoir une redistribution des territoires à Paris même, entre le prolétariat et la bourgeoisie. Alors, il faut voir quand même, au niveau des chiffres, tout de même, en 1800, vous avez 500 000 Parisiens. En 1850, vous en avez 1 million. À partir de 1860, avec le décret qui va permettre l'agrandissement de Paris, où 8 arrondissements vont s'ajouter donc à Paris, dont un des plus importants, Belleville. Belleville est à ce moment-là la 13e commune de France avec 80 000 habitants. Hein. Ça, ce sont tous les travaux de Jacques Mai, hein, qui a fait sa thèse donc sur Belleville. Et donc, cette population, comme le disait très justement Quentin, cette population en 1850,
70, 71, va monter à peu près à 2 millions. Alors, pour ce qui me concerne, évidemment, en lien avec le dernier ouvrage que j'ai publié sur les figures normandes de la Commune, il est intéressant de noter que la population parisienne est répartie est constituée de beaucoup de provinciaux. Sur les 2 millions d'habitants, on estime qu'il y a à peu près 2/3 de provinciaux et 1/3 de parisiens natifs. Ce qui est tout de même très intéressant, c'est que cela donne une... comment dire, une autre approche, une autre, disons, perception de la Commune, dans la mesure où cette révolution a été faite aussi par les provinciaux. Exactement. Bah, on reviendra tout à l'heure sur la composition. Et Carole Trébor, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste deux petits éléments à rajouter par rapport à ce qu'ils ont dit. D'abord, pour moi, dans ce glissement-là dont parle Quentin, il y a l'idée qu'au départ aussi, chez les communards, on n'en parle peut-être pas assez, mais il y a aussi le patriotisme. C'est-à-dire qu'il y a l'idée quand même, c'est une révolution qui naît sur les décombres de la guerre et sur le refus total de l'armistice. Quoi. On appelle les capitulaires, les Versaillais, ouais. On appelle Thiers, ce gouvernement de capitulaires. Donc je pense qu'il y a cette idée vraiment d'une révolution. Au départ, c'est du patriotisme et ça glisse vers le socialisme petit à petit. Mais la première grande revendication des communards, c'est ça, c'est le patriotisme. Et l'autre chose que je veux dire aussi, c'est que finalement, il y a aussi quand même à Paris, à partir de la fin des années 60, la possibilité de nouveau des réunions qui avaient été interdites par Napoléon III. Et ça reprend, en 1867, il y a l'autorisation des réunions. Donc on a quand même une politisation qui s'accentue, des gens qui se retrouvent pour parler politique, pour plein de mouvements qui s'installent. Et donc le peuple parisien qui est à 80% ouvrier, pas au sens encore de l'ouvrier de la grande industrie, c'est des artisans, et politisé en fait. Et la Commune, je pense, elle prend aussi naissance quand même sur la fin des années 60 et tous ces mouvements quand même qui s'installent et ces débats politiques, etc., qui sont autorisés de nouveau. Et c'est voilà. Vrai, ça, ce que vous dites, ça casse un petit peu le mythe du Second Empire, où on a surtout la première partie du Second Empire, qui est l'Empire autoritaire, qui est après le coup d'État, la répression. C'est vrai qu'il y a la libéralisation, les années plus libérales à partir des années 1860, que ce soit économiquement, mais aussi politiquement. Et donc, du coup, toute cette, comme vous le dites, toute cette libéralisation va permettre la politisation, enfin, en fait, être un peu le terreau, j'imagine, de cette Commune. Ça va être et la guerre et la défaite. Et l'envie de ne pas capituler serait donc l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Mais du coup, on voit cette idée de révolution donc politique qui va être née, urbanistique aussi, avec l'haussmannisation dont parlait Gérald Dittmar, et puis la reconfiguration de Paris avec une couronne plutôt, on va dire, ouvrière et un centre plutôt bourgeois. Mais en fait, je me posais aussi la question, parce qu'on suit Raoul donc, dans votre BD, qui est quand même artiste, et on croise plein d'artistes. Est-ce que Paris, en 1870, même dans cette deuxième moitié du 19e siècle, est-ce que c'est aussi le lieu des révolutions artistiques ? Bah, après, les artistes, ils sont souvent très pauvres. Ils vivent avec les ouvriers dans les mêmes immeubles. C'est aussi ça. Les artistes sont politisés, sont engagés parce qu'ils sont, ils vivent comme les ouvriers. C'est pas des riches. Après, il y a des débuts de mouvements artistiques à ce moment-là qui refusent un peu les normes, etc. Mais je dirais qu'ils sont plutôt engagés même politiquement, en fait, avant toute chose. Et c'est pas étonnant si les artistes s'engagent massivement dans la Commune de Paris. Ça, c'est, voilà, pour moi... Ils partagent le lot, en fait, des Parisiens. Socialement, ils sont dans les mêmes conditions que la majorité. Après, il y a aussi, là, c'est un groupe aussi de caricaturistes. Les caricaturistes sont hyper politisés. C'est quand même, alors là, pour le coup, le 19e siècle et Napoléon III, enfin, c'était beaucoup de censure là-dessus. Les journaux étaient en permanence soumis à des procès fermés et ouverts. Enfin, il y avait une censure énorme, mais il y a vraiment un goût de la caricature. Il y a un goût de la caricature chez le peuple parisien. Il y a vraiment des grandes tendances de caricaturistes, des groupes de copains. Enfin, voilà, et ils sont ensemble, ils se moquent de Napoléon III comme ils se sont moqués de Louis-Philippe. Enfin, c'est très présent dans la culture parisienne et journalistique.
comme disait Quentin Delormeau, ils reprennent aussi toute cette, comment dire, cette, ce souvenir de la caricature depuis la poire de Louis-Philippe jusqu'à nos jours, et ça réactive ça pour ce nouvel... C'est badingué, voilà. Oui, tout à fait. Et donc du coup, c'est intéressant parce que vous parlez là de la caricature, de l'image, et en fait, on pourrait venir aussi là, sur la commune, c'est aussi donc, des événements, des acteurs, et justement, qui vont être mis en image. Et moi, en fait, me vient cette image, toujours, tout de suite, de la colonne, la chute de la colonne Vendôme, en fait. Parce que la commune, donc, c'est deux camps, mais la confrontation aussi, au début, le patriotisme, l'idée de « on n'arrête pas la guerre » ou « on arrête la guerre », puis après, l'idée de « nous, on ne veut pas cette organisation sociale-là » et les autres qui ont notre idée. Donc, vous parlez d'un ordre libéral à propos de la République du 4 septembre, et de l'autre côté, en fait, on ne sait pas vraiment quelle forme, c'est que des possibles qui sont mis, un horizon qui va être donné. Et je me demande, donc, la colonne Vendôme, mais sa chute, ce qui va être un événement marquant, qui va marquer à l'époque, de nombreuses photos vont circuler, des caricatures, d'un côté comme de l'autre. Hein, on voit, par exemple, Courbet, qui va être le déboulonnard, etc. Et en quoi cette chute, justement, de cette colonne, elle va marquer la rupture entre ces deux sociétés, ces deux visions de la société. En fait, qu'est-ce que cette colonne de bronze, elle va représenter pour, d'un côté, les Versaillais, d'un côté, les communards, Gérald Dittmar? Cette colonne, elle symbolise d'abord, c'est une apologie des grandes batailles napoléoniennes. Donc, elle symbolise la conquête, elle symbolise la guerre, elle symbolise, disons, le bellicisme. Il est clair que les communards sont des gens pacifiques, au-delà des apparences, compte tenu du fait qu'ils se sont insurgés et qu'ils étaient armés. Mais ce sont des civils. On le voit bien d'ailleurs le 18 mars, lorsqu'ils finalement prennent la décision de ne pas poursuivre Thiers qui s'en va à Versailles. Ils feront la guerre parce qu'ils seront en légitime défense, parce qu'ils seront, ils seront attaqués, et donc ils se défendront. Mais ce sont avant tout des pacifistes. D'accord. Et donc, cette colonne Vendôme, pour eux, effectivement, comme vous l'avez très justement dit, bien dit, d'une certaine manière, elle exprime bien deux conceptions du monde, deux représentations du monde. Un monde impérialiste, l'argent, le pouvoir, bien sûr la bourgeoisie, les valeurs, non seulement de la bourgeoisie, c'est-à-dire d'une classe, et à contrario, bien les valeurs du prolétariat, c'est-à-dire la paix, la civilisation, la culture, l'entraide, la solidarité, l'égalité, la fraternité, etc. Donc vraiment, on voit bien d'ailleurs le jour où la colonne est abattue, vous avez quasiment 20 000 Parisiens, 10 à 20 000 Parisiens. Très difficile d'avoir un chiffre parfaitement exact du nombre de Parisiens, mais on voit bien qu'il y a une foule considérable qui est là, qui est réjouie de voir cette colonne enfin par terre, parce qu'elle symbolisait d'une certaine manière tout ce que le peuple n'aime pas. D'accord, tout à fait. C'est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un iconoclasme en fait, c'est une forme d'iconoclasme pour justement mettre à bas ce qui était avant et laisser place à ce qui pourrait être plus tard. Donc on va aller voir un petit peu justement ces acteurs, ces communards, tout ce qu'ils rejettent. Et donc je reprends sur Rouge et Estampe, parce que donc il y a Raoul bien sûr qui est artiste, mais il y a aussi Nathalie. Nathalie, elle m'a vraiment intéressé parce que en fait... Je me demandais, quand on voit tout ce qu'elle fait dans la vidéo, en quoi son engagement, il est révélateur pour les lecteurs d'aujourd'hui de ce que signifiait être communarde, dans son engagement vraiment concret. Concrètement, d'abord, il y a des femmes qui ont pu prendre les armes pendant la commune et qui sont devenues des gardes nationales. Donc c'est déjà énorme quand même. C'est Louise Michel qui symbolise ça. Effectivement, c'est des femmes qui prennent l'uniforme et qui prennent les armes. C'est quand même c'est rare. Après, beaucoup de révolutions naissent au départ avec les femmes. Hein, parce que les révolutions naissent quand même souvent pendant les guerres. Et c'est les femmes qui manifestent pour réclamer le pain et la paix. Donc de toute façon, les femmes sont toujours... souvent les premières à descendre dans la rue. C'est pareil, en février 17, c'est des femmes pour la Révolution russe. Donc
Après, pendant la Commune, concrètement, il y a une énorme politisation des femmes qui créent l'Union des femmes, qui se rassemblent pour parler politique, pour débattre, pour demander, qui ont des revendications nécessaires aux femmes, que ce soit pour l'école, mais même elles demandent elles ont des revendications d'école technique pour les filles, des demandes très concrètes, hein, matérielles. Donc il y a des revendications sociales propres aux femmes pendant la Commune. Il y a des femmes qui prennent les armes. Je pense une centaine, un maximum. Je ne pense pas qu'il y en ait guère plus que 100 de femmes qui ont pris les armes, mais quelque chose comme ça. Il y a des femmes qui prennent les armes. Il y a des femmes qui se réunissent, qui organisent des débats, qui participent aux débats des hommes. Elles ne peuvent pas voter et elles ne peuvent pas être élues. Ça reste, bon, voilà, la Commune reste quand même masculine dans la prise de décision. Ouais. Mais voilà, et puis elles vont effectivement, certaines, créer des écoles laïques obligatoires, gratuites. Donc voilà, s'occuper aussi, comme Nathalie, hein, d'aspects concrets. De trouver des fournitures, d'expliquer aux petites filles qu'est-ce que ça veut dire qu'on enlève les croix qui sont sur les murs parce que maintenant c'est laïque et il n'y a pas de religion à l'école. Donc il y a vraiment, elles agissent à tous les niveaux possibles, du social, de l'éducation civique et même du combat. Et elles sont ambulancières aussi sur les barricades, donc elles sont hyper présentes. Elles vont même manifester parfois, elles, toutes seules, pour revendiquer des choses encore plus fortes que les communards et que le gouvernement. Elles veulent partir à Versailles le 3 avril. Donc, enfin voilà, c'est oui, pour moi, les femmes sont. Enfin, c'est un éveil de la. Enfin, c'est pas un éveil, peut-être d'ailleurs, c'est une possibilité de l'expression de la conscience politique des femmes. Oui, d'accord, c'est exactement, ce serait un premier jalon, en fait, vers les combats féministes futurs qu'on va trouver. Puis même avant de parler des combats féministes qui résonnent encore aujourd'hui, la place des femmes dans la Commune, est-ce que ce ne serait pas, en fait, on le voit après dans les combats sociaux qui vont être menés pour avoir des lois sociales, pour améliorer les conditions de travail, est-ce que ce qui se passe dans la Commune ne va pas être... le précurseur de ce qui va se passer, Quentin Deloermoz, dans les combats sociaux plus tard. Bah, honnêtement, je ne sais pas, parce que la question des femmes sur la Commune, ça a été très bien dit. Hein. La Commune n'est pas spécialement féministe dans son ensemble. Les femmes restent vivandières, cantinières, ambulancières. Elles n'ont pas le droit de vote. André Léo, qui est une des grandes féministes de l'époque, dirait que c'est une révolution qui s'est faite sans la femme. En fait, ce qui se passe, l'historienne Caroline Feuille a une belle expression, elle dit c'est une révolution dans la révolution. C'est-à-dire que ce sont les femmes les plus engagées qui s'emparent, en fait. J'aime bien cette idée possibilité d'expression politique, c'est exactement ça. Au sein de l'Union des femmes pour la défense de Paris, elles sont blessées, qui, derrière son nom, en réalité, procède à ce qui est l'enjeu majeur de la Commune, qui est l'organisation du travail. Elle s'occupe de l'organisation du travail féminin. Et c'est peut-être la seule institution qui arrive en réalité à commencer à mettre en place cette nouvelle organisation du travail. Donc c'est dans cette espèce de tension, il ne faut pas oublier que le 19e siècle est probablement le siècle le plus genré qui soit. Hein, l'idée de république est associée au virilisme, à la masculinité. Donc dans la Commune, il y a cette tension en fait, entre une prise de parole féminine et puis cette conception très masculine du politique. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, toutes les révolutions du 19e siècle ont cette tension. Ce n'est pas spécifique à la Commune. En 1789, Olympe de Gouges avait déjà fait sa déclaration des droits de la femme. En 1848, il faut rappeler que les femmes ont demandé à pouvoir voter et être élues. Et peut-être qu'au fond, le féminisme est presque encore plus fort en 1848 que sous la Commune. Ce qui change sous la Commune, c'est vraiment l'idée que la citoyenneté ne se joue plus dans le droit de vote, puisque le Second Empire aurait montré qu'au fond, c'est un échec, mais ça se joue dans l'organisation du travail ou précisément la transgression du droit de porter les armes qu'exprime particulièrement Louise Michel. Donc c'est plutôt une longue suite, une longue chaîne reprise de figures féminines que simplement la Commune comme point de départ de... d'une nouvelle cause féministe. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Comme vous disiez, le communard de 1871, il réactive le souvenir des révolutions passées, de ce qui s'est passé. Peut-être que le féminisme, les féministes d'aujourd'hui réactivent aussi toutes ces figures pour mener leur combat, cause qui est quand même aujourd'hui assez importante. Donc on voit qu'il y a des hommes, on dit les communards, des femmes, les communardes. Mais en 1870, comme le disait Gérald Dittmar tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de provinciaux, donc deux tiers de la population parisienne. Et provinciale. Alors souvent, on nous vient l'image de l'Auvergnat, du Breton, qui est quand même l'image qui nous reste le plus souvent. Mais il y a aussi, par exemple, des étrangers qui sont venus s'installer avant la guerre, aussi pendant la guerre. Je pense notamment aux Italiens, avec la colonne Garibaldi. Mais il y a également l'AIT qui est présent là. Donc l'AIT, c'est la première internationale. En fait, toutes ces présences qu'on va voir, en quoi ça va conforter le statut
pas seulement parisien, mais national et transnational de la commune. Est-ce que c'est un premier pas vers la République universelle ? Quentin Deloire, oui. Pardon. Même chose, premier pas, non, puisque la République universelle s'est déjà exprimée en 1848. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les premiers volontaires internationaux, ils arrivent en France dans le cadre de la guerre de 1870. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la France devient république, elle devient une cause de la République universelle. Et les volontaires transnationaux qui viennent à son secours, donc dans cette armée des Vosges qui est gouvernée par, commandée par Garibaldi, c'est quand même des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Américains. Et chaque fois, ça correspond à une lutte particulière. Donc évidemment la guerre civile américaine, ce qu'on appelle la glorieuse révolution espagnole, les insurrections polonaises, etc. Et une partie de ces gens-là, au moment où la commune se déclenche, ben, vont arriver sur Paris, pas tous. Et puis comme Paris est la capitale des réfugiés, des exilés du 19e siècle, il y a déjà beaucoup d'étrangers qui reprennent la parole en son nom. On est au 19e siècle, c'est-à-dire qu'au fond, œuvrer pour une lutte nationale n'est pas contradictoire avec l'idée de République universelle. L'idée, c'est qu'on œuvre pour la libération de sa nation. La meilleure forme, c'est forcément la République. Et donc, du coup, toutes ces nations réunies ensemble formeront la République universelle. C'est comme ça qu'on peut expliquer cette tension, au fond, entre patriotisme, internationalisme, provinciaux, qu'on a évoqué un petit peu depuis le début de notre discussion. Ce qui se passe avec ces volontaires internationaux, c'est comme ils savent se battre, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais comme ils savent se battre, ils occupent les postes de commandement, ils ont une visibilité extraordinaire. Et ce fait que la commune est concrètement connectée à toutes ces autres luttes des années 1848-1870, qu'on connaît encore assez mal, mais que les travaux historiques sont en train d'exhumer. Donc vous parlez un petit peu de ça, c'est intéressant. Donc la République universelle, ce serait une forme d'association des républiques sœurs, comme les communes voulaient une association des communes pour créer après une sorte d'entité associative et non pas quelque chose qui viendrait... d'en haut. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que, comment dire, on va prendre aussi autre chose, donc beaucoup d'étrangers, mais aussi sur la composition des communards en lui-même. On a vu des hommes, des femmes, on a vu aussi que, donc c'est pourquoi est-ce qu'on peut dire, pour dire aux téléspectateurs, pourquoi c'est avant tout peut-être la première révolution véritablement ouvrière, Gérald Dittmar. Pourquoi la commune est-elle la première révolution ouvrière ? Oui. La commune n'est pas principalement une révolution ouvrière. Il y a également la petite bourgeoisie, les artisans, etc., qui, pour des raisons d'ailleurs patriotiques, entre autres, vont se joindre au combat des communards. Alors, il est vrai que cette population, d'un point de vue sociologique, constitue quasiment 57% de la population parisienne. L'assemblée de la commune n'est pas, l'assemblée élue de la commune, hein, ceux qui vont être élus de la commune, n'est pas particulièrement représentatif du monde ouvrier. Il y a par exemple des artistes, des journalistes, des intellectuels, des écrivains, des différentes personnes qui occupent des fonctions. Il y a finalement assez peu d'ouvriers. Donc, bien sûr que la commune est une... Et surtout, c'est-à-dire que la commune pose un paradigme complètement nouveau. C'est-à-dire que la commune permet de penser... alors, bien sûr, vous avez tous les écrits de Marx sur la guerre civile en France, entre autres, etc. C'est ce que je pensais en disant ça. La commune propose donne cette espérance qu'il y a une autre alternative à la société telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est encore aujourd'hui, telle qu'elle sera, quand on dit pensée unique, etc. La commune démontre exactement le contraire. Alors, le projet prolétarien, il est bien évidemment au cœur même de cette problématique, puisque le projet prolétarien, c'est de changer la nature même de la société en réorganisant socialement le travail, et bien évidemment l'économie, etc., et la vie, tout simplement. Donc, bien sûr que le prolétariat est au cœur de la révolution communaliste, voilà. Oui, un peu tout à fait. Mais en fait, justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que la commune qui va prendre, c'est peut-être l'image du drapeau rouge qui est levé, on dit tout de suite, ah, c'est forcément ouvrier, mais quand on voit la sociologie, c'est pas forcément vrai. Et puis on est influencé, comme vous l'avez dit, par les écrits de Karl Marx, qui est quand même pour nous le communisme, enfin, qui est un fondement. Mais vous dites aussi, il y a par exemple donc,
Des artistes. Alors, je ne vais pas revenir sur le fait qu'ils partagent, sur ces artistes qui partagent le quotidien des ouvriers ou des personnes qui ont le moins de chance, on va dire, dans Paris. Mais je pense, je reviens sur Courbet, en fait, parce que Courbet, quand même, à l'époque, il est installé. C'est quelqu'un qui est reconnu, pas forcément aimé de tout le monde, mais qui est reconnu. Et pourquoi quelqu'un qui, comme ça, va être, qui est installé, qui a son statut, pourquoi est-ce qu'il va s'engager dans la commune, Carole Trébor? Alors, je ne suis pas une spécialiste de Courbet. Je ne veux pas dire de bêtises, mais pour moi, Courbet, il est très politisé et il s'engage dans la commune parce qu'il est révolutionnaire et qu'il a envie de changer le monde. Enfin, pour moi, c'est ça. Mais je ne suis pas une spécialiste. D'accord. Il est aussi provocateur, lui, pour le coup, dans ses œuvres d'art. On connaît, on connaît les œuvres provocatrices de Courbet. Après... Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, ce qui s'est passé, pour rebondir par rapport à la question justement ouvrière, etc., c'est vrai qu'après, c'est quand il a fallu trouver des gens qui prennent les rênes de cette commune. Quand ça devient un gouvernement, eh ben, effectivement, c'est des gens qui ont une certaine culture, qui ont parfois fait leurs années de droit, qui peuvent avoir un discours politique, etc., qui vont prendre les rênes, dont les artistes, mais de manière assez étonnante et originale, parce que c'est vrai que les artistes vont se retrouver chefs militaires. Le colonel de Légion du 14e arrondissement, c'est Lucien Henry, c'est un artiste peintre, Catelin, c'est aussi un caricaturiste, c'est un graveur, et il est chef de la sûreté. Donc c'est ça, cette révolution, c'est ça qui est aussi... c'est pas des gens qui candidatent. Il y a l'idée d'une démocratie directe dans la commune. Mmh. Il y a l'idée d'élus qui sont révocables et qui sont le peuple a ce pouvoir-là. Dans ce sens-là, c'est ouvrier pour moi parce que le peuple peut dire que ce représentant du peuple, on n'en veut plus, il part. Là, c'est ouvrier. Okay. Par contre, dans les représentants du peuple, effectivement, il y a des artistes, des journalistes, comme il disait. Voilà. Et les artistes se sont massivement engagés. Donc, il y a effectivement Courbet qui, lui, devient commissaire de la commune, etc. Mais il y a aussi des chefs militaires, des colonels, le chef de la sûreté, c'est les artistes. Quoi. Donc, on le voit hein, dans Rouge Estampe, effectivement, ouais. Catelin qui est à la sûreté, Lucien Henry qui est... il se fait arrêter très vite, lui, dès les premiers combats... À Issy-les-Moulineaux, mais ils sont très présents et ils se retrouvent à prendre les armes, à diriger des bataillons, etc. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Peut-être Quentin de Louermoz, peut-être. Deux choses. C'est vrai que le projet politique de la commune, c'est une forme de république qu'on a un peu perdu de vue depuis. C'est cette fameuse république démocratique et sociale. Oui. Donc c'est une république par le bas. Vous l'avez très bien dit, on veut éviter le haut. Hein. L'ennemi principal, c'est le centralisme. Donc, c'est la libre association des volontés individuelles. Et puis sociale, parce que l'idée, c'est qu'on ne peut pas changer l'ordre politique sans changer l'ordre des rapports socio-économiques. Et le maître mot, c'est l'association. On a des associations de producteurs, des associations de consommateurs. Et ensemble, de cette manière-là, l'ouvrier paye un juste prix, le consommateur achète son produit de qualité à un juste prix, et puis on évite toutes les formes de spéculation. Donc c'est un projet. En fait, tout à l'heure, vous avez dit les trois héritages de la commune. Donc il y a le moment 1860, il y a le moment 48. En fait, ce que dit Jacques Rougerie, c'est qu'il faut remonter jusqu'aux années 1880, jusqu'aux années 1840. C'est dans les années 1840 que naît ce projet de république démocratique et sociale qui s'exprime réellement au moment de la commune. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, et c'est ça qui ressurgit un peu aujourd'hui dans les débats, je pense. La deuxième chose sur cette question des engagements, donc tout a été très bien dit, moi je suis entièrement d'accord. Ce qui est intéressant, comme dans le cas de la commune, c'est que pour qu'une commune existe, il faut aussi que toute une série de personnes qui ne s'intéressaient pas à la politique commencent à s'intéresser à la politique dans le feu de l'événement lui-même, à ce qu'on appelle le protagonisme révolutionnaire. D'où l'idée de pas mal de travaux historiens, d'aller chercher ces gens peu connus, qui tantôt vont s'engager, puis renoncer, tantôt ne s'y intéressaient pas, s'engagent au dernier moment, et puis vont devenir des communards fervents, etc. Et cette espèce de dynamique humaine, en fait, de l'événement, doit être ajoutée à toutes ces figures plus connues, qui sont des militants, mieux installés, qui ont déjà une culture politique, qui certes... vont organiser un petit peu une partie des directions, mais pas seulement. Mais à eux tout seuls, ils ne font pas commune, en fait. Et donc, il faut rajouter cette dynamique qui est très dure à analyser, à documenter, à saisir. Ouais, c'est un peu la convergence des dynamiques, des volontés, qui fait que ça va devenir un événement assez important. Et quand vous parlez de l'association comme la base de choses, en fait, c'est un peu la naissance de l'anarcho-syndicalisme. Est-ce qu'on peut dire que donc cette commune, qui en fait lance beaucoup d'idées, va avoir une réalisation concrète? Par exemple, je pense à la révolution, à la République espagnole de 1936, Gérald Dittmar.
Oui, alors si on parle de la Révolution, enfin on ne va pas parler de la Révolution. Non, non, c'est juste pour voir l'impact que peut avoir cette organisation sur les révolutions. Alors, il y a une composante anarchiste dans la Commune. Qui est représenté entre autres par, disons, le courant proudhonien, parce que par exemple, en ce qui concerne Courbet, il faut bien savoir que Courbet est non seulement un ami de Proudhon, mais est également proudhonien. Et donc, ces idées, puisque, évidemment, Proudhon se revendiquait comme anarchiste, donc cet anarchisme va perdurer après la Commune, et va connaître, disons, une évolution. Cette évolution va s'enrichir, bien sûr, des luttes ouvrières qui ont été menées, entre autres, pendant la Commune. Et on va avoir, donc, une forme d'anarchisme individualiste, enfin, avec différentes influences. Il y a aussi une influence de ce qu'on appelle un anarchisme individualiste, avec Max Stirner. Et donc, bien sûr, ce corpus idéologique aura une influence sur la Fédération anarchiste ibérique. Mais enfin, c'est avec eux aussi une évolution spécifique, etc. Voilà, donc... Ça devient quand même, on va dire, la Commune apparaît quand même ici comme un terreau pour ce qui va se passer ensuite, comme tout ce qui s'est passé avant la Commune était un terreau pour que la Commune... Oui, mais pas seulement. On peut dire aussi que la Troisième Internationale, qui va se créer en 1920, oui, au moment du Congrès de Tours, est également, d'une certaine manière, succède également à la Commune. Oui. Donc tous les combats ouvriers, même la social-démocratie des années de la fin du 19e siècle, avec la création de la SFIO en 1905, etc., constitue de facto un héritage, hein, puisque bon, d'abord beaucoup de communards, d'anciens communards, ce terme, parce qu'on n'est pas communeux. On n'est pas anciens communeux ou communards, on est toujours communards. Donc ils vont participer très activement, par exemple la Fargue pour la création du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, Charles Longuet pour la création du Parti Socialiste Français, etc. etc. Les influences de la Commune sont, au plan idéologique, sont diverses. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est exactement ça. C'est ce qui montre que c'est quand même un événement global autant. Alors là, on le voit quand même dans le temps. On peut voir un petit peu aussi, je vais dire, spatialement, parce que si c'est global, il y a un côté chronologique, mais il y a aussi un côté spatial, notamment au moment où ça se passe. Et je pense qu'il y a un élément fondamental pour comprendre ça, c'est la violence. La violence, parce que c'est quand même quelque chose qui a choqué à l'époque, l'affrontement entre ces deux visions. Deux visions qui, au final, au début, peut-être auraient pu cohabiter et qui, au final, ne peuvent pas du tout être l'une avec l'autre. Et donc, du coup, on voit d'un côté les exécutions d'otages, de l'autre, les exécutions sommaires en marge des combats, qui vont la reprise en main de Paris lors de la semaine sanglante, Paris qui brûle, toutes ces images, toute cette violence qui est ressortie dans cette guerre civile, en fait. Pourtant, le monde, dans un sens, ça a marqué. Pourtant, le monde, c'est pas du tout un havre de paix, comme ça l'est toujours pas. Et pourquoi cette violence a autant marqué l'esprit du temps, tant en France que dans le monde? Compléter par rapport à l'idée de un peu libertaire de la Commune et quand on disait aussi République universelle. En fait, je pensais à un truc. Je pensais aussi à l'idée qu'il y avait vraiment l'idée du fédéralisme dans la Commune. Ça me semble important. C'est pas seulement une République universelle. C'est aussi, comme ils détestent l'idée de hiérarchie et de vision pyramidale, ils sont aussi dans l'idée de ce qui se passe à Paris se passe à Paris, libre à chaque ville de province de faire sa propre Commune. Ils veulent pas que Paris domine. Ça me donne aussi l'idée par rapport à une vision juste en France. Ils veulent pas que Paris domine. Les décisions de Paris appartiennent à Paris et chaque ville est libre. Voilà, c'était juste pour compléter ça m'avait donné l'idée. Sinon, par rapport à ça, quand vous dites la violence de la Commune a frappé, je pense qu'il y a vraiment, alors la mémoire de la Commune, c'est un sujet à part entière, mais parce que c'est énorme ce que raconte l'histoire de la mémoire de la Commune, raconte l'histoire de la vie politique pendant un siècle. Enfin, c'est impressionnant et ça continue, on en parlait tout à l'heure, ça continue encore aujourd'hui. C'est la violence de la Commune. Bon, pour moi, quand même, assez clairement, les communards sont beaucoup, beaucoup plus victimes que les autres. Il y a beaucoup plus de
de morts communards. Il y a un massacre des communards. En une semaine, il y a plus de 30 000 morts. Enfin, il y a un moment donné où, voilà. Et les otages, quand même, ils en parlent beaucoup entre eux. Il y a énormément de débats entre communards. Ils ne sont pas tous d'accord. Il faut imaginer que c'est deux mois. Le 18 mars, il y a les canons qui sont pris. Le 28 mars, on fait la commune. Début avril, ils commencent à être bombardés. Il commence à y avoir des combats ici, les Moulineaux. Ils prennent les armes et c'est une guerre. Ils sont dans un état de guerre. Donc, effectivement, il y a des décisions qui sont des décisions de guerre. Il y a très, très rapidement des exécutions de communards à Versailles et lors des combats. Donc, la décision de fusiller les otages, c'est une décision, et beaucoup, beaucoup de livres, pour le coup, en parlent, c'est une décision de dire, si on dit que nous, on tue des otages, ils vont arrêter de tuer les nôtres. Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est, enfin, de ce que j'ai lu, ils en ont débattu entre eux et on entend beaucoup de communards en parler comme ça. Donc, je pense que déjà, il y a quand même, pour moi, là, des victimes et les victimes sont des communards, déjà clairement. Et ensuite, sur la mémoire de la commune. C'est la violence qui a frappé, mais c'est, je pense, parce qu'il y a quand même eu une appropriation de ce que a été cet événement, qui a été dès le départ, la presse réactionnaire, la vision générale de la commune, ça a été de toute cette hagiographie de les pétroleuses qui brûlent Paris, les communards alcooliques qui totalement irresponsables, qui prennent un fusil comme on prend un biberon d'alcool. Enfin, c'était ça, et c'est ça qui a dominé sur la mémoire, parce que c'était la mémoire officielle, et parce que c'est ce qu'a fait ensuite le gouvernement, etc. Il a fallu attendre des années pour qu'on ait une autre vision. Pour vous raconter, je suis allée à Vroncourt, donc là où habite Louise Michel, cette année, parce que j'écris une biographie romancée sur Louise Michel en ce moment. Et en fait, à Vroncourt, j'ai rencontré des habitants du village qui ont 70 ans. Et donc, moi, je m'intéressais à la mémoire, justement, de Louise Michel aujourd'hui, en me disant, tiens, qu'est-ce que ça donne dans ce village-là? Ils ont quand même... Louise Michel a grandi là, il y a l'école de Louise Michel, il y a un petit musée dedans. Et il y a un agriculteur qui me dit, nous, quand on était petits, on ne connaissait pas Louise Michel, on savait vaguement. Et puis, quand on parlait de Louise Michel, on se signait après. Je veux dire, dans les années 70, enfin, dans les années 50-60, okay. Ah oui, Louise Michel, ah, petit signe, c'est-à-dire, ah, l'horreur, celle qui a brûlé Paris, quoi. Et puis, première étape pour lui, c'est 1971, il s'en rappelle parce qu'il sait son armée, il a voulu venir, et tout d'un coup, on crée une stèle, parce qu'il y a la commune, le centième anniversaire de la commune, c'est 1971, 100 ans après. Dans les villages en France, c'est encore ça la vision de Louise Michel. On se signe, la terreur, c'est un vague personnage très terrorisant. Donc, c'est, voilà, pour moi, cette mémoire de la commune, elle a été vraiment... voilà, et elle a été duale. Bon, ça, vous en parlerez mieux, mais il y a vraiment cette mémoire officielle. Et puis, effectivement, les mouvements révolutionnaires qui se l'approprient dans le monde entier. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il en parlera mieux que moi. Mais voilà, et là, on a une mémoire, au contraire... idéaliste qui s'installe de cette révolution. Moi, je vous laisse la parole. Bah oui, voilà, j'allais dire exactement, c'est ça, pour voir aussi le côté international de cette merci mémoire. Merci beaucoup. Alors, d'abord, un des premiers éléments de votre question, c'est pourquoi, au fond, pourquoi Paris a un tel écho, hein. Il y a deux raisons à ça. Tout d'abord, on est dans une période de révolution médiatique très importante. Donc, les premières agences de presse, Havas, Reuters, sont déjà en place. Le télégraphe se développe à toute allure. Hein. Le grand moment, c'est 1866, la pose du télégraphe entre l'Europe et le continent américain, ce qui fait que l'information arrive en quelques heures, ce qui fait que la commune, c'est une révolution qui est suivie heure par heure par télégraphe, et dans le monde entier. Donc effectivement, il va être suivi en Inde, en Australie, au Canada, énormément aux États-Unis parce qu'ils sortent de leur propre guerre civile, donc pour eux, ça évoque plein de choses. Également aussi très fortement en Amérique latine, parce que quand on a la République démocratique et sociale, et ce qu'entendre par République fédérale, ça fait quand même des échos. Donc il y a ces conditions techniques. Deuxième point, c'est Paris quand même. Hein, l'imaginaire de Paris à l'échelle globale, c'est impressionnant. C'est Paris au 19e siècle, c'est la capitale de la modernité et la capitale des révolutions. Et les deux ensemble, ça explique cet écho extraordinaire. Alors vous disiez, car il y a d'autres révolutions à l'époque, bien sûr. La plus importante révolution du 19e siècle, elle a lieu en Chine, ce qu'on appelle la révolution des Taiping. Elle fait 20 millions de morts. Et on n'en parle pas du tout sur le plan médiatique. Donc là, on voit bien le déséquilibre, en fait, du rapport de force symbolique, en fait. Alors, dans le cas de Paris, ce qui est quand même intéressant, ce qu'on oublie, c'est que la première attention qui est portée à la Commune de Paris, c'est pas la Semaine sanglante, c'est le 18 mars. En fait, l'attention médiatique est plus forte au 18 mars que pour la Semaine sanglante. Ce qui fait que l'intérêt pour la Commune n'est pas lié uniquement à la question de la violence. Le problème, c'est vraiment une nouvelle révolution qui émerge dans la capitale des révolutions. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Et après, en fait, au moment de la Semaine sanglante, il y a cette espèce de reconfiguration des lectures. Donc, vous l'avez dit très justement, qui est duale. La première lecture est très négative. Donc, les communards sont des barbares qui détruisent la ville. Donc, ces bâtiments, c'est les symboles du génie humain, en fait. Donc, voilà, on a des nouveaux barbares qui détruisent les symboles du génie humain. Et très vite, en même temps, on commence à avoir une lecture positive. Parfois, à Cuba, par exemple, ils n'avaient jamais entendu parler de la commune. C'est le discours négatif qui leur apprend que la commune existe. Ils disent, tiens, bah, ça a l'air intéressant. Et donc, on a ces réappropriations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a celle dont on a parlé de Marx et de Bakounine. Mais en fait, il y a de multiples réappropriations dans la multiplicité des mondes républicains et socialistes du 19e siècle. Une des premières réappropriations importantes, c'est la révolution cantonale espagnole en 1873. Donc, du coup, voilà, c'est une histoire au fond. Si on prend l'échelle globale, ce qui est intéressant, d'une part, c'est que ça rappelle que. Au fond, on a un prisme occidentalocentré qui ne correspond pas tout à fait à la réalité des situations de ce moment-là. Et deuxièmement, ça montre que l'attention première, ce n'était pas la violence. Par ailleurs, il y a effectivement un décalage entre ça, Jacques Rougerie l'avait dit très tôt, hein, entre la violence de la parole communarde et la violence des faits, à tel point que même les journaux versaillais, en avril, sont très étonnés de cette absence de violence qu'eux, ils attendaient énormément. Donc le discours sur la violence, il se condense vraiment au moment de la Semaine sanglante. Donc on est héritier, en fait, de cette condensation imaginaire qui se déroule quelques mois après le massacre des communards. D'accord. Donc vous parlez beaucoup de l'importance, donc là, notamment de la presse, etc. Mais je voulais juste dernièrement sur la semaine prochaine, vous dites en fait que, en quelque sorte, on essaye de déshumaniser le communard, la communarde, d'en faire des bêtes féroces qu'il faut abattre, comme si on voulait dératiser Paris. Et je voulais, c'est ça. Est-ce que il y a un aspect expiatoire dans la semaine sanglante qui explique justement le nombre de morts? Vous disiez, il y a eu 30 000 morts. Gérald Dittmar, est-ce que c'est vraiment, c'est au-delà de juste reprendre la ville, c'est expier ce qui s'est passé? C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu une criminalisation des communards. Et cette semaine sanglante, on le sait par un certain nombre, donc évidemment de témoignages où on voyait les prêtres haranguer en quelque sorte les troupes versaillaises pour désigner les communards comme étant évidemment le diable, c'est-à-dire porteurs du mal, de la destruction, au-delà même de la barbarie. Ce sont là des êtres qu'il faut tuer, qu'il faut éliminer de l'humanité. Et donc, bien sûr que la semaine sanglante peut être perçue, interprétée en tous les cas, ou lue comme un moment totalement expiatoire, où vraiment les communards deviennent les victimes émissaires du mal absolu. Et donc, cette semaine sanglante, on la connaît bien, historiquement maintenant, va faire des milliers de victimes, d'innocents, de toutes sortes de... D'ailleurs, dans la population, autant il y a des enfants, des femmes, des personnes âgées, pas seulement des gens qui... Enfin, des gens, des communards qui auraient combattu, hein, mais vraiment toute la population. Oui, c'est ce qui est dit. Il y a une anecdote qui dit, en parlant de la population de Belleville, que voilà, après la semaine sanglante, il n'y a plus d'hommes à Belleville. D'accord. En fait, il y a beaucoup de 10, par exemple, si vous traîniez dans la rue alors que l'armée versaillaise les mains noires, parce qu'il y avait de la poudre, on vous abattait. Donc toute cette violence là qu'on voit, donc exactement, c'est quelque chose qui sur la violence. Ah, juste oui, un Allez-y. Mot sur la violence. Bien sûr, il y a eu violence, mais c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure à propos de la guerre entre la Commune et Versailles. C'est que lorsque le 2 avril, les Versaillais commencent à bombarder Paris et à attaquer la Commune, mais qu'est-ce que font les communards? Ils se défendent. Mmh. Ils défendent leur révolution. Donc, bien évidemment, que la garde nationale est armée, qu'ils ont des fusils, etc., ils s'en servent pour gagner, parce que... C'est la logique même, c'est le sens même de leur lutte. Donc je voulais revenir justement sur cette violence, parce que c'est les vecteurs, vous parliez du progrès technique. Moi je voulais parler aussi un petit peu de la presse. Quel rôle va avoir la presse? Souvent quand on parle de la Commune, on parle des pages illustrées. Je pense au Petit Parisien avec ses grandes pages illustrées qui vont édifier la population. Dans quelle situation se trouve la presse en 1871? Et qu'est-ce qui va...
est-ce qu'elle va jouer un rôle important dans la diffusion de cette légende noire, d'un côté, développée par les Versaillais, et de la légende rouge, on va dire, plutôt côté communard, Quentin Deloermoz? Oui, bah, la presse joue un rôle majeur. On est dans une période, je disais tout à l'heure, de ce qu'on appelle une révolution médiatique. C'est-à-dire que les premiers journaux à 5 sous, qui tirent à près de 500 000 exemplaires, datent de 1869. C'est le Petit Journal. Donc on a... Et par ailleurs, Paris est une ville très ouvrière, ça a été dit. Les ouvriers sont très alphabétisés. Hein. Donc la lecture du journal est quelque chose d'acquis. Ce qui fait qu'il y a deux choses dans votre question. Tout d'abord, pendant la Commune elle-même, comme dans tout phénomène révolutionnaire, on a un moment dit de libération de la parole. Et cette libération de la parole se fait dans plein de lieux. Il y a les clubs, il y a les affiches. Elle se fait dans la presse. Et donc on a une presse extrêmement importante. Les plus connus, c'est évidemment le Père Duchesne et le Cri du Peuple, qui touche près de 100 000 lecteurs, ce qui est énorme hein, dans le contexte de l'époque. Mais il faut imaginer le nombre de presse, de feuilles volantes qui sont produites, qui durent un jour, deux jours, etc. Donc il y a ça, et ça alimente évidemment la dynamique, la réflexivité, le discours communard. Et après, de l'autre côté, à Versailles, on a effectivement cette... Il faut bien imaginer qu'on a tous les reporters de guerre européens qui sont là, mais qui sont évidemment du côté de Versailles. Enfin, ils ne sont pas forcément du côté de Versailles, mais comme ils sont à Versailles, ils reproduisent les informations qu'on leur donne. Et on a évidemment toute la presse qui, elle, va dessiner ce portrait absolument monstrueux du communard, comme un ivrogne, barbare, enfin tout ce qu'on a déjà dit. Ce qui est intéressant quand même, c'est que malgré tout, la presse fait son travail, ce qui fait que les grands mots d'ordre, les grandes affiches de la Commune sont traduites en espagnol, en allemand, en anglais, et circulent. Donc il y a écrit voilà ce que disent des affreux communards, mais enfin bon, malgré tout ça circule. Et donc la connaissance de l'événement se fait aussi par le relais de la presse la plus anti-communarde. Et après, la réception de la presse dépend de chacun, de l'organisation de la presse dans chacun des pays concernés. Au Mexique, l'information, elle arrive à la fois par le télégraphe, donc elle a quelques jours, et puis par les reporters sur place. Donc des fois, dans le même journal, on a un article qui date de 15 jours, et alors qu'on apprend que la Commune a déjà fini à ce moment-là. Donc il y a cette espèce de réception différenciée qui permet à chaque fois à l'imaginaire de prendre sa place en fait, dans la Commune. Et ce qui fait qu'on a autant de communes qui sont recréées en réalité à distance. Et c'est en ce sens-là qu'on a vraiment une Commune globale, en fait. Hein. C'est qu'il y a le discours négatif, mais du côté discours positif, il y a ces réinvestissements multiformes qui s'opèrent quasiment en même temps. Donc la presse, évidemment, rôle majeur pour reprendre votre question. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Non, mais c'est ça. Et comme vous dites, que ça permet aussi cette presse de se créer sa propre commune, chacun. Et donc la réception aussi. Vous parliez tout à l'heure des États-Unis qui sortent de la guerre de sécession. Et en fait, j'imagine que cette commune, elle doit être réceptionnée complètement différemment. Alors du côté des anciens confédérés, du côté des anciens fédérés, mais aussi par exemple des côtés des républicains et donc démocrates, ça doit avoir. Est-ce que c'est un enjeu sur la politique intérieure d'autres pays, cette commune qui se passe là, ou ça n'est juste qu'un fait international qui se déroule? Ça dépend des pays. Aux États-Unis, c'est un enjeu majeur. Les historiens estiment que c'est le premier événement réellement national de l'histoire américaine. C'est-à-dire le premier qui est connu d'un océan à l'autre. D'accord. Alors, c'est majeur parce que, comme ils sortent de leur propre guerre civile, la Commune va alimenter en fait, les débats. Donc, on n'essaye pas vraiment de savoir ce qui s'est passé concrètement dans Paris. L'idée, c'est que la Commune devient un argument pour déconsidérer l'adversaire. Donc, on parlait des républicains. Pour les républicains du Nord, qui commencent à se dire que la démocratie c'est très bien, mais il faut mieux que ce soit les élites qui s'en emparent, ils vont dire, bon, la Commune, vraiment, c'est la preuve qu'il ne faut peut-être pas laisser le droit de vote aux femmes, aux immigrés, aux anciens esclaves. Et puis en plus, il y a ce jeu entre l'État fédéral côté Nord et puis la revendication de fédéralisme du côté du Sud, donc on a affaire à des États racistes quand même dans le Sud, mais les républicains du Nord vont dire, regardez, en fait, la Commune, c'est un French Ku Klux Klan. Parce qu'ils défendent le fédéralisme comme les États du Sud. Donc c'est un bon exemple de la façon dont l'événement est tourné de façon complètement inattendue, logique du point de vue américain, mais qui n'a plus rien à voir évidemment avec l'expérience parisienne dont on parle depuis maintenant quelques minutes. Oui, tout à fait. Et donc justement, on voit, vous dites, une guerre de médiatisation, il y a quand même une guerre, on veut convaincre l'opinion. J'ai l'impression, quand on lit comme ça, on veut convaincre, on veut dire que oui, c'est moi, entre guillemets, c'est moi qui ai raison. Et l'image, elle a une place centrale là-dedans. Et en fait, je repense à la colonne Vendôme, mais on peut voir les photos des barricades où on voit tous ces communards qui sont bien droits devant leurs belles barricades qui, j'imagine, tombent après. Dans Rouge Estampe, on croise un photographe, c'est Braque E. Alors Braque E, c'est marrant parce que quand on s'intéresse, enfin je vais vous laisser le dire, parce qu'il a un multiple visage. Et en fait, on se demande, quand on voit son histoire, on se dit, mais c'est qui cet homme? Il est communard, anti-communard, ou c'est juste un opportuniste?
Ah, moi, je ne le vois pas comme un opportuniste. Braqueuil, il est sourd déjà, même, donc ça, c'est quand même un des trucs. Il a vraiment participé. Il était extrêmement fier que la commune, justement, aussi mette en œuvre des vraies mesures sociales pour les sourds, parce qu'effectivement, la commune, il y a vraiment cette idée politique et sociale. Donc, ils ont aussi œuvré pour les sourds, pour que, voilà, il y ait des choses organisées, des formations, des actions d'aide, etc. pour les sourds. Donc Braqueuil était partie prenante de ça. Et en tout cas, c'est sûr que quand il s'est engagé, enfin quand on lui a confié cette mission de photographier, parce qu'il était officiellement un photographe de la commune quand même, hein, Braqueuil. Donc il s'est vraiment investi, il s'est investi dans cette mission de photographier la commune. Et, alors moi, je ne sais pas du tout où vous avez vu au poste opportuniste. Parce que c'est un entrepreneur en fait, et je me dis peut-être qu'il a dit, ah bah tiens, c'est l'occasion de la commune de faire fructifier mon entreprise. C'est pas ma vision de Braqueuil. Alors c'est pas votre vision, peut-être que Gérald Dittmar, vous pourriez parler plus de. Mais moi voilà. Je partage avec Carole. J'ai pas du tout la vision d'un Braqueuil qui est originaire de Dieppe. Hein, qui est Dieppois. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que opportuniste ou. Non, d'autant plus que déjà, effectivement, comme elle l'a dit, il était sourd et c'était vraiment un des grands. D'ailleurs, en prenant les photos qu'il a pu prendre, il risquait sa vie. Il s'est mis en danger. Tout à fait. Et donc, je pense que c'était pas du tout un opportuniste ni un entrepreneur qui cherchait à faire fructifier ses. Non, parce qu'il y a toujours dans ces situations-là des gens qui peuvent, pour faire fructifier leur entreprise, par ça. Donc, on peut. Non, mais pas. Excusez-moi, c'est une icône, je voulais pas le toucher. Et donc du coup, donc ce rôle très important. Et donc est-ce qu'elle, en quoi ça va participer ça à cet impact global? Pourquoi? Enfin, suffit que je reprenne ça. Est-ce qu'aujourd'hui la commune, c'est autant des livres? C'est écrit par des historiens, c'est autant des BD, on le voit des BD. Et pourquoi c'est une révolution de l'image, Carole Trébor? Oh là. Wow. Vous avez 2 heures. Oui, excusez-moi, c'est peut-être un peu. Parce que alors, est-ce que la commune est une révolution de l'image? Parce qu'en fait, de la photographie. Il y a un truc intéressant, c'est vrai que pour le coup, la photographie, elle est vraiment à ses débuts. Et alors, ça, c'est extraordinaire, c'est une source incroyable. C'est vrai que les photographies de la commune, c'est extrêmement précieux. Et ils ont cette intelligence, quand même, d'utiliser la photographie. Et ça permet aussi de contrecarrer aussi tout un discours qui va prédominer après. Parce que c'est une source. Alors, objective, entre guillemets, c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a aussi des mises en scène sur les barricades et on le sait. Mais je sais pas, mais par exemple les photos des victimes, je sais pas si vous connaissez ces photos abominables là de toutes les victimes des communards dans leur linceul avec leurs numéros étalés les uns à côté des autres, c'est d'une force expressive incroyable et c'est hyper moderne. Ah, exactement. Donc c'est hyper moderne. C'est donc voilà, oui, là je pense que à ce niveau-là. Après sur la base, c'est ce qu'on a dit sur la caricature, il y a une explosion, mais elle remonte et ce que je pensais, c'était le côté novateur justement de la photo qui est utilisée beaucoup plus massivement. Une révolution, c'est soit une accélération de quelque chose qui est déjà là, mais qui s'accélère, qui explose. Ça peut être un détonateur aussi de quelque chose. C'est comme le Covid. Pour moi, la Covid, non, mais je le dis au masculin exprès. Mais voilà, après, donc voilà. Mais c'est vrai, voilà, je dirais que pour moi, le truc le plus important, c'est la photo. Et derrière, c'est voilà, on a plein de caricatures, on a plein de gravures. On reste. Et en même temps, beaucoup de caricaturistes et de graveurs étaient engagés dans la commune. Ouais. Donc, n'avaient plus le temps de faire leur travail. Ouais, c'est exactement ce qu'on voit avec Raoul qui ne fait que commissaire, il ne peut plus dessiner. De l'intérieur, il y en a plein qui n'ont plus le temps de le faire. Et donc, du coup, on peut rebondir là-dessus sur le fait que justement, il y en a beaucoup qui vont s'investir. Mais je parle du communard. Vous avez fait éditer justement le journal d'un communeux en prison qui a été sorti après. On peut parler aussi à tous ces artistes qui ne pouvaient plus dessiner, qui ne pouvaient plus peindre, qui ne pouvaient plus sculpter parce qu'ils étaient engagés au plus près des combats, de côté très pratique. Et ça pose la question un peu de ce qui se passe juste après la commune. Alors, il y a la répression, il y a la. Comment dire? La répression, oui. Il y a la déportation aussi en Nouvelle-Calédonie. La proscription. La proscription, exactement. Ceux qui sont exilés. Et du coup, quelle va être la place de. On va parler
d'abord des exilés, de tous ces exilés à travers le monde, pour construire la légende rouge de la Commune contre la légende noire de Versailles, Gérald Dittmar. Après la Commune, le combat continue. Effectivement, cette proscription va s'orienter sur principalement trois villes, trois villes et trois pays, la Suisse, la Belgique, dont en Suisse, donc Lausanne, Genève, bien sûr principalement Bruxelles, donc en Belgique, et Londres. Londres où la proscription sera la plus importante. Et exilés, ces communards vont continuer à écrire. On peut prendre en exemple, comme ça, enfin très rapidement, des ouvrages comme celui de Lisa Garay ou d'Arnould, voire de Jules Vallès, etc., qui vont écrire leurs livres, qui vont après connaître le succès que l'on sait lors de leurs exils respectifs. Tous ces artistes réputés, il y avait, comme c'est dit dans Lisa Garay, on parle très bien, c'était des ébénistes, des céramistes, Ranvier par exemple, et d'autres avaient des qualités d'ouvriers spécialisés remarquables, et donc ils vont continuer d'exercer leur métier, pour certains d'entre eux bien évidemment, et d'autres vont prendre des boulots pour survivre. Alors c'est vrai qu'à Genève, Gaillard va ouvrir une buvette, etc. Enfin, il va y avoir différentes refontes de vie pour les uns et les autres. Il y aura inéluctablement une dimension de débrouille, si l'on peut dire, oui, pour chacun, avec tout de même quand même des réseaux d'entraide pour ceux qui étaient à Londres ou à Genève, voire à Bruxelles. Et du coup, justement, ils sont exilés dans d'autres pays. Vous parliez de Lisa Garay sur l'histoire de la Commune, qui est le premier à écrire ce qui va être appelé une histoire de la Commune. Mais en fait, en France, quel est l'impact, Quentin Deloë-Hermoz, de ces écrits? Parce qu'après la Commune, l'installation de la Troisième République, il n'y a pas une sorte de censure qui se met en place et qui interdit ça? Ça répond déjà à votre question précédente sur la visibilité. L'ordre du visible, c'est un enjeu aussi politique, à tel point qu'en fait, après la Commune, des lois sont votées qui interdisent de circuler toute représentation de la Commune, sauf les photographies de communards, donc celles dont on parle, à des fins d'identification policière. Donc ce qui fait qu'un historien qui s'appelle Bertrand Tillier a parlé d'une révolution sans image, donc il y a un vide de représentation en fait. Et ça explique pourquoi pendant 10 ans, 1170-1180, il y a cette espèce de vide. Quand les communards déportés reviennent en 1180, ils reviennent dans un autre monde. Donc la mémoire de la Commune se coule dans cette troisième République naissante. Et ça explique aussi pourquoi il y a pu y avoir un tel lieu d'investissement, de fantasme, cette espèce de latence dans la connaissance historique dont parlait Carole tout à l'heure. C'est aussi un fait de politique. Les sorties de guerre civile sont des enjeux, et la mémoire qu'on va en avoir est aussi un enjeu politique. Donc ça en fait un lieu de réflexion aussi là-dessus, sur comment on sort d'une guerre civile et comment est-ce qu'on fait pour garder une trace de ce qui s'est passé juste avant. Et ça explique pourquoi on a cette focalisation sur la violence et pas tellement sur l'expérience politique, ouais, qui était multiforme et complexe, et c'est pas le problème qu'on avait avant. Donc rien que là, on est encore dans un rapport de pouvoir. Alors quelle est l'influence de ces travaux en France? Honnêtement, je suis moins spécialiste de la question, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a cette espèce d'effacement pendant 10 ans. Quand ça revient à partir de 1180, c'est pris dans un autre monde. On a des partis, on a des syndicats, ce que disait Gérald Dittmar tout à l'heure. Le discours autour de Marx commence à être un peu plus structuré. Donc c'est une autre lecture qui est faite. L'argument, c'est de dire que la Commune, c'est super, c'est évidemment le martyr des opprimés, mais il leur aurait manqué une direction plus ferme, une idéologie. Donc c'est déjà une autre grille de lecture en fait qui se met en place. Maintenant, il y a une thèse qui vient d'être publiée qui explique que il y a toute une réflexion en réalité qui aurait lieu dans les années 1870-1880, beaucoup plus intense que ce qu'on a dit. Donc il faut attendre qu'elle soit traduite en français, là, en anglais. Mais ce n'est pas impossible que là encore, c'est un domaine du savoir qui soit un peu plus... pour lequel on soit un peu mieux armé dans les prochaines années. Ouais, c'est une histoire qui continue de se faire, la Commune. Une piste, oui, c'est ça. C'est ça qui fait qu'elle est vivante. C'est qu'on le voit, le 150-naire, encore, ça a fait réagir plein de choses. Beaucoup de livres sortent aujourd'hui avec donc pour un peu une mise à jour de l'histoire, pour que les personnes d'aujourd'hui comprennent mieux la complexité de cette chose. Mais surtout, juste pour pardon, excusez-moi, Carole, oui. Un tout petit peu, mais c'est que
En plus, moi je pense qu'en France, dans ces années-là, effectivement, on ne connaissait pas les écrits des exilés, etc. Voilà. Mais par contre, il y a Alexandre Dumas fils et compagnie qui écrivent des Saint-Victor, etc., qui écrivent des bouquins abominables, avec des images abominables de la Commune. Et c'est ça qu'on connaît et qu'on lit. Mais voilà, on lit Dumas fils, hein. Et c'est exactement. On ne lit pas, voilà. Il n'y a qu'un son de cloche, en fait, et on va dire. Oui, je pense quand même qu'à cette époque-là, oui, ce qui est dominant, c'est ça. Entre la censure officielle et les vraies sorties qui sont vraiment d'auteurs grandement lus, qui sont hyper anticommunards, c'est ce qu'on sait et c'est ce qu'on connaît. Ouais. Il y a vraiment un tabou qui s'installe sur la réalité sociale et politique de la Commune. Oui, c'est là. En fait, c'est pour comme si on passait un cataplasme sur la blessure, en fait. Pour oublier cette blessure plutôt qu'essayer de la soigner et passer à autre chose. C'est ça que vous... Moi, je pense que... Enfin, oublier cette blessure, la blessure, elle est du côté des communards. Moi, je pense que plus que oublier la blessure, c'est taire... Enfin, c'est mettre une chape de plomb sur une révolution. Ouais. Et sur un acte... un massacre. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est pas pareil. La blessure, les communards, ils l'oublient pas. Le peuple parisien, je pense qu'il l'oublie pas trop. D'accord, mais pourtant... Pourtant, enfin, c'est étonnant parce qu'après la Troisième République, ça va être quand même un des régimes républicains qui va être les plus longs en France. Oui. Et est-ce que c'est parce que ce régime républicain, parce qu'on va voir en 1880. C'est pas une démocratie directe, il n'y a pas le même rapport au social. Et par ailleurs, c'est quand même en 1881 Gambetta qui va faire revenir, avec l'aide de Victor Hugo, qui va faire revenir les communards quand même, tout malgré à fait. Tout. Mais donc, c'est la première étape, 10 ans après, ouais. On fait quand même, on se dit quand même, allez, les communards, on les fait revenir, c'est pas que des barbares. Mais ici, ils font oui, non, tout à fait, ils se rendent compte que c'est des êtres humains. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que d'amnistie en plus, oui. Non, c'est pas, il y a la loi d'amnistie en 1880. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils vont quand même, et ce qui est un peu étonnant, enfin, je pense à la loi de Ferry sur l'école gratuite, obligatoire et laïque. Est-ce que ça va pas non plus aussi s'apaiser parce que l'héritage de la Commune, au final, le nouveau régime, il va l'intégrer. Alors, il va pas tout prendre, mais est-ce que Quentin de Louhermeau, cette garde des mémoires, elle va peut-être s'apaiser parce que justement la Nouvelle République va prendre quelques idées de la Commune? Honnêtement, je suis pas sûr. Hein. Alors sur les lois Ferry, il faut voir que les communards, quand ils mettent en place l'école gratuite et obligatoire, ils reprennent une idée qui avait déjà été germée dans les Républicains des années 1860. Donc c'est pas une idée qui est propre à la Commune. En réalité, c'est une idée qui se reformule dans le cadre de la reconfiguration de les cultures républicaines dans les années 1860. Donc là, il y a une forme de continuité. La deuxième chose, sur cette question de l'après-commune, les travaux d'une grande helléniste qui s'appelle Nicole Leroux parlent bien de ce rôle de l'oubli. En fait, l'amnistie, c'est un oubli, en fait. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Donc quand ils reviennent, mais on maintient l'oubli. Donc c'est pas tellement qu'il y a une guerre des mémoires ni rien, c'est qu'en fait il y a cette espèce de blanc, et ce blanc, eh ben, il va avoir des effets en fait, qui vont durer jusqu'au progrès de la connaissance historique après-guerre. Alors après, là où la guerre des mémoires revient, c'est parce que la Commune va être à peu près un des seuls lieux derrière lequel les galaxies socialistes des années 1890-1900 vont à peu près s'entendre, et là on va avoir une guerre des mémoires, c'est-à-dire que la Commune va devenir un haut lieu de la mémoire socialiste du mouvement ouvrier, qui va être opposé dans ce cas-là à la Troisième République. Donc la Troisième République, elle en fait ni un ennemi ni un monstre, elle essaie plutôt de je pense, en tout cas ça demanderait d'être rediscuté, mais même en termes de droit, ce qui est bien montré Anne Simonin, c'est qu'en fait, les amnistiés, quand ils reviennent, ils ne rentrent jamais complètement dans le droit commun. C'est-à-dire qu'en fait, on crée une catégorie juridique à part, qui fait que l'espèce de blessure qui suit la fin de la Commune dure dans le droit français jusqu'à aujourd'hui, puisque au fond, c'est une catégorie qui n'existe plus, mais qui n'a pas été remise en cause d'ici là. Donc là encore, il y a beaucoup de travaux probablement à faire qui montrent que la sortie de l'événement n'a pas été si simple en réalité que ça. Et ce que je découvre qui est intéressant, là, c'est, je me rends compte qu'en fait... L'international, il y a eu une diffusion presque beaucoup plus grande en fait que en France Oui, c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est un paradoxe quand même assez étonnant. Oui, complètement. Bah, et c'est aussi par l'international qu'après c'est revenu. Enfin, c'est très étonnant comme mémoire. C'est un aller-retour où on peut voir justement ça. Et justement, on parle de l'international et vous parliez que ça va être repris donc par les mémoires socialistes. En fait, il y a une anecdote dont je vous parlais, je crois, dans votre livre où il paraît que Lénine, pendant la révolution d'octobre, au bout de 72... Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, là. Au bout de 72 jours, il aurait donc... Ça arrive. Mais je fasse. C'est bon ? Voilà. Bon, vous le rappellerez après, il n'y a pas de problème. Non, ça, c'est pas un problème.
Donc oui, cette anecdote sur Lénine qui aurait dansé au bout de 72 jours de la révolution d'octobre, parce qu'il aurait dépassé la commune. Donc pour ces socialistes, en fait, la commune, ça devient un idéal à réaliser ou un horizon à dépasser, Quentin Deloire. Un modèle, en tout cas. Pardon. Oui, Carole Trébor, allez-y. Oui, moi j'ai déjà beaucoup. Enfin, je vais très vite du coup, parce que j'aimerais bien entendre. Non, il y a deux choses. Tout d'abord, il faut voir que même si la commune reste un des hauts lieux de la mémoire des mouvements ouvriers, les différentes composantes ne sont pas d'accord entre elles, hein, entre la lecture anarchiste, marxiste, ça reste un lieu de conflit. Alors, le cas des 72 jours de la danse de Lénine, c'est apocryphe en fait. Hein. Mmh. En revanche, là où la référence est très forte, c'est que dans les thèses d'avril de Lénine, il promeut un état commune. Donc, il y a une vraie. Il y a une vraie réappropriation de l'événement qui s'est fait. L'argument des marxistes-léninistes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire que la commune, c'est une promesse, mais qu'au fond, ce qui lui a manqué, c'est ce qui aurait réussi en 1917, parce qu'on relie l'histoire en fonction de 1917, c'est une idéologie plus ferme, donc beaucoup plus marxiste-léniniste, et une organisation beaucoup plus rigoureuse. Et puis surtout, ce qu'on reproche beaucoup aux communards, c'est leur mollesse. Ils ont été trop gentils, hein, c'est un peu l'idée. Ils ont été trop doux, trop gentils, donc c'est la lecture complètement inverse de ce qu'on disait tout à l'heure sur la violence. Ils ont manqué de fermeté, c'est un peu ça l'argument. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on relie la commune en fonction de 1917 et on la plaque dans un ordre des temps. C'est la commune devient le crépuscule des révolutions du XIXe siècle et l'aube des révolutions modernes. Et tout le travail des historiens ces dernières années, ça a consisté à lui restituer sa propre historicité, en fait. Oui, comme un pont entre deux siècles de révolution, oui. On pourrait dire. Gérald Dittmar, d'ailleurs, pour voilà. Lénine, c'est que Lénine est né en 1871. Oui, c'est vrai. Ah. Oui. Et donc, on lui prête cette parole concernant la révolution bolchévique, où il dit effectivement que... il était très, très heureux qu'elle ait dépassé les 72 jours. Donc on va faire un petit saut dans le temps, comme il ne nous reste plus très longtemps. En fait, c'était pour parler rapidement d'aujourd'hui. Surtout, par exemple, Gérald Dittmar, vous êtes ami de la commune de 1871. Aujourd'hui, la commune, c'est quoi pour vous en tant qu'ami, ça représente quoi l'idée commune en fait ? Alors, avant de répondre, je crois qu'on va répondre tous les trois d'ailleurs à votre question, parce que je pense que on a sans doute beaucoup de choses à vous dire et on sera certainement tout à fait d'accord. Mais je pense que pour conclure votre, puisque vous êtes un peu dans une sorte de conclusion, pour conclure un peu notre propos, je voulais vous lire cette citation très rapidement d'Élisée Reclus, qui d'une certaine manière introduit très bien votre question. La commune a dressé pour l'avenir, non par ses gouvernants, mais par ses défenseurs, un idéal bien supérieur à celui de toutes les révolutions qui l'avaient précédé. Elle engage d'avance ceux qui veulent la continuer, à lutter pour une société nouvelle dans laquelle il n'y aura ni maître par la naissance, le titre ou l'argent, ni asservi par l'origine, la caste ou le salaire. Partout, le mot « commune » a été compris dans le sens le plus large, comme se rapportant à une humanité nouvelle, formée de compagnons libres, égaux, ignorant l'existence des frontières anciennes et s'entraidant en paix d'un bout du monde à l'autre. C'est Élisée Reclus donc qui a écrit ça en 1897, Je pense, Gérald Dittmar, merci beaucoup. Je pense que vous avez trouvé la parfaite conclusion à ce débat. Merci à tous les trois d'avoir été là. Je rappelle donc... Si je peux me permettre, j'ai quand même encore une citation. Allez-y, je vous en prie. Jules Vallès ayant été surveillant dans un collège à Caen, donc j'avais cette... Tout à fait. D'ailleurs, il a été surveillant à un moment où Raoul Urbain, dont on n'a pas parlé, qui lui est originaire de Condé-sur-Noireau, était élève. Donc il a retrouvé Vallès lorsqu'il est allé à Paris combattre pour la Commune. Alors voilà ce que Vallès, bien sûr, disait dans L'Insurgé à propos du 18 mars, qui est une date importante pour nous. Le 18 mars te l'a sauvé belle, gamin. Tu pouvais, comme nous, grandir dans le brouillard, patauger dans la boue, rouler dans le sang, crever de faim et crever de honte, avoir l'indicible douleur des déshonorés. C'est fini.
Nous avons saigné et pleuré pour toi. Tu recueilleras notre héritage. Fils des désespérés, tu seras un homme libre. Ça, c'est Vallès. Hein. Ouais, il a la plume. Bah, on va se quitter donc, sur cette plume. Sur merci Vallès, beaucoup. C'est pas mal. Merci beaucoup à vous trois. Merci à Gérald Dittmar de clore sur cette citation. Merci à Époque. Merci pour cette organisation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.